Et nous nous levons à vous. Il faut boire. Alors aujourd'hui, nous allons prendre notre courage à deux mains. Aussi, je voulais dire que... Je sais pas si j'en ai parlé... Je crois que je l'avais dit, mais à l'envers la dernière fois. Par rapport à la maladie qu'on a... En fait, elle nous fatigue de plus en plus, même si on prend les remèdes, apparemment. Donc, on a la partie rouge qui augmente petit à petit. Je ne pense pas qu'elle va être extrêmement... Je sais plus. Honnêtement, comme je l'avais dit la dernière fois, ça va faire... La dernière fois que j'ai été malade comme ça, ça remonte à avant que le jeu sorte. Donc ils l'ont sûrement changé, ils ont sûrement changé pas mal de trucs depuis. Donc voilà. Mais ce qu'on va faire, donc c'est ça qui va nous handicaper, mais nous on va partir, on va y aller. Hein. Donc on va aller à Muskeg Morn. Nous allons passer par, donc on est au lac Mystère, nous allons passer par les rails. Donc là il va avoir un tunnel là, dans les montagnes. On va passer par là, et la forge est par ici. Donc, bon, la zone est très grande, mais c'est assez facile de se repérer, en tout cas s'il n'y a pas de brouillard. Donc la plupart du temps, moi, ce que je fais, c'est que on passe les rails. Alors, il faut faire attention parce que dans mes souvenirs, il y a un ours, il peut avoir un ours. Et nous allons arriver là, il va avoir des wagons. Et hop, on descend ligne droite. Et en théorie, on devrait arriver sur la forge. Et après, là, on fera notre petit camp, etc., etc. Tout ira bien. Par contre, cette fois, je vais un peu changer. Je pense que je vais passer par là. Pourquoi? Parce qu'il nous faut des champignons. Tout bêtement. Voilà, il nous faut des champignons. Et on va déjà en prendre quelques-uns. On va en prendre 1, 2, 3. Et on va prendre une tisane de bouleau aussi. Voilà, on a deux tisanes. Tisane, ça aussi, c'est nouveau. Ça va nous permettre de... Je l'avais déjà expliqué, mais j'aime bien répéter les choses. Je suis vieux, je me répète beaucoup, ok. Ça va nous permettre de rester éveillé un peu plus longtemps. Et ça va surtout nous aider dans notre état, parce qu'on est malade. Donc on va faire ça. Aussi, une chose bien, le fait d'être malade, on va pouvoir, comme je pense que je l'avais dit aussi la dernière fois, prendre de la viande... de loup sur nous, et du coup on va pouvoir manger de la viande de loup, il n'y a pas de problème. Mais surtout, c'est que là-bas il va avoir beaucoup de loups, donc je suspecte qu'on va devoir combattre des loups. Et pendant que ça craft, en fait, pendant que on fait des crafts ou on dort et tout ça, on va pouvoir en fait dépecer, prendre des morceaux de loup et les faire cuire directement, et donc on pourra manger là-bas, voilà, sur place. Parce que, bon, chasser le cerf et tout ça, ça c'est autre chose, hein. C'est beaucoup plus dur, beaucoup plus long. Mais les loups, vu qu'ils nous attaquent, bah, on a un fusil, quoi, on peut se défendre. Donc ça aussi, c'est une bonne chose d'être malade dans un sens. Alors, couteau improvisé, il nous faut 3 ferrailles et 1 tissu. Et pour la hachette, il nous faut 5 ferrailles, 1 tissu. Et après, pour chaque pointe de flèche, chaque ferraille nous fait 2 points de flèche. Donc c'est bien. Donc 8, donc minimum 8, parce qu'il faut faire les outils, et on pourra même faire plusieurs outils. Peut-être que quand on ira mieux, on retournera là-bas et on refera encore des outils. Donc 8, et après il nous faudrait à peu près 5, je dirais, 5 ferrailles en plus, comme ça on a une dizaine de pointes de flèches, c'est pas mal. Donc on en a 13, donc 8 pour les outils. Et après, ça ferait 2, 4, 6, 8, 10. Ah, bah c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Ah, tissu. On en a assez. Ouais, non, on est bien. On va prendre le marteau avec nous parce qu'il va falloir. Il nous faut le marteau. Ah, ouais, d'accord, il va falloir qu'on se vide par contre. Donc ça on vire pour le moment. Ça on prend, les vêtements c'est bon. On a un leurre, on a encore ça, c'est bien. Peut-être qu'on va en laisser une dizaine. Où est-ce qu'on pourrait mettre ça? Je sais pas trop. Là. Hop. Voilà, très bien. Il y a ça, les livres, on les pose ici.
Voilà, très bien. On essaye de se vider au maximum. La lampe, je dirais qu'on n'en a pas besoin. Le pied de biche, je dirais qu'on n'en a pas besoin, mais je pense qu'il y a quand même des... possiblement des casiers, tout ça, à ouvrir. Peut-être, peut-être. Donc on va garder ça quand même. On a les hameçons, c'est pas grave, ça, ça pèse pas lourd. Donc on prend le fusil. Est-ce qu'on prend des balles en plus? Non, on va garder 10 balles. Ça va être un peu notre... défi, on va dire. Et il va nous falloir donc... Ok, on est bien, on a 12 allumettes, très bien. La lampe, on va la poser là. On va prendre 1, 2, 3, 4. Non, on va prendre 3, parce que je suspecte qu'on va en trouver là-bas, en fait. On va en trouver là-bas, j'espère. Et après, alors, on va prendre ça. 2, 3. Je crois que c'est 2 heures l'un, ou alors c'est peut-être 1 heure, je sais pas trop, je sais plus vraiment. Avec le charbon, ça, on va en prendre encore un. On est à 31 kilos. Et il faut qu'on prenne encore de la viande. Qu'on prenne encore de la viande. Encore un truc. 5, 10. 3, on va surtout utiliser le bois de chauffage. Très bien, ça va durer très longtemps. Parce que le truc, c'est qu'on va utiliser... Alors, je sais pas si j'en avais parlé de la forge. Je vais dire comment elle fonctionne. La forge, en fait, il faut la faire monter à 200 degrés. 200 ou 100. Un truc comme ça. Et après, on va pouvoir forger. Mais il faut d'abord la faire monter. Et la faire monter de... en chaleur, en fait... Alors, si vous avez que du bois, c'est quasiment impossible. Ou ça va prendre des tonnes et des tonnes de bois. Par contre, je voulais faire un truc. Ouais, c'est prendre ça. Ou alors, ça va vous demander des tonnes et des tonnes de bois. Je sais même pas si ça, a un cap, peut-être, avec le bois. Genre, on peut pas atteindre une certaine chaleur. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, ça. Si vous êtes au courant de ça, s'il y a un cap, dites-le moi. Ça m'étonnerait qu'il y en ait un, mais de toute façon, ça va prendre 3000 ans, quoi. Donc ça sert à rien de le faire avec du feu. Donc il faut du charbon. Donc une fois que vous avez atteint votre votre degré pour pouvoir crafter vos outils, là vous utilisez du bois en fait pour donner de la durée en fait à votre feu. Donc on utilise le charbon pour la chaleur et après on utilise le bois pour la durée. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça que 3 charbons, ça va. Et je pense qu'on va en trouver là-bas. Parce que dans toutes les forges, il y a toujours du charbon. Il y a toujours du charbon autour. Donc ça va bien se passer. Je pense qu'on est bien. Je dirais qu'on prend peut-être un peu plus de petits bois. Je sais pas trop, on va voir. Un, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Et en eau, on a quoi? On a 2 litres d'eau. 2 litres, ça va. Voilà. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on peut partir. Ouais, je pense qu'on est bien. On est un peu lourd, c'est pas grave, mais on est bien. Une chose que j'aurais dû regarder, c'est le... Ah merde, c'est le temps. Parce que si on a un temps de merde, ça sert un peu à rien de faire tout ça. On va voir. On va quand même le faire. Voilà. Ah, il fait pas froid en plus, moins 4. Ouh, ouais, on y va. Ok, c'est parti. J'aurais dû peut-être manger encore un peu plus. Peut-être. Je sais pas. C'est pas grave, on y va. Peut-être manger encore un peu plus. Ah, ça va, on va se débrouiller.
De toute façon, on a 10 massettes. Après, on utilisera les massettes et tout ça. On va se rationner. Alors, je sais que me rationner, des fois, c'est genre manger 4 steaks d'un coup. Mais on se rationnera là-bas. Et puis, encore une fois, je pense que on va combattre des loups. Et je suspecte qu'on finisse par en récupérer, en dépecer et tout ça. Récupérer de la nourriture. On va pas prendre du bois parce que sinon... alors honnêtement on a un bon temps pour se déplacer. C'est-à-dire qu'il fait pas froid. Vous voyez qu'on a une petite flèche vers le bas. On a seulement une flèche, il doit faire moins 4, moins 5. Donc c'est vraiment vraiment bien. Par contre, le brouillard comme ça, c'est un gros non. Ne jamais, jamais partir à l'aventure comme ça avec un brouillard comme ça. Ça c'est... Non, ça non. Ça, il faut surtout pas le faire. Même pour des personnes qui connaissent bien l'endroit, ça peut être trompeur. Par contre, en toute logique... Ah, je crois que le brouillard est en train de partir déjà. Ouais, ouais, ça s'éclaire si on est bon. Ah. La bonne chose, c'est qu'on avait le brouillard en fait hier déjà. Hier, dans la journée, fin de soirée, tout ça. Donc je suspecte que le brouillard, en fait, est resté toute la nuit et doit partir. Et pendant que je parle, bah voilà, on voit que le brouillard part, donc on est bon. Par contre, j'espère que le temps va rester comme ça et qu'on va pas avoir de mauvais temps jusqu'à ce qu'on arrive. Après, le mauvais temps, c'est pas grave, mais une fois arrivé à la forge. Une fois arrivé à la forge, il y aura un lit, on aura la forge pour faire de la chaleur, donc vu qu'on va le faire brûler le truc pendant genre 2 jours d'affilée, donc on aura de la chaleur, il n'y a pas de problème. Il n'y aura vraiment pas de soucis, quoi. Alors, attendez. Est-ce que des fois il y a des loups, là? Ça a l'air d'être bon. Ok. Ok, on est bon. Alors, j'avais expliqué qu'on allait passer sur notre côté gauche. J'hésite encore un peu, honnêtement, pour être complètement franc. C'est vrai qu'on va tomber sur sûrement des champignons. Parce qu'il y a la forêt, tout simplement. Hein, si vous voulez des champignons, allez dans la forêt. Mais le problème, c'est qu'on va avoir beaucoup de loups sur la route, je pense aussi. Donc ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Est-ce que ça vaut pas le coup de complètement... Et vu qu'on peut pas vraiment courir, on peut pas vraiment leur échapper. Ah, y en a déjà un là. Et il va sur la route. Bon ben, on passe par là. Il m'a déjà senti. Ouais. Ah, commence bien. Est-ce qu'il y en aurait là des... Est-ce qu'il y en aurait là des champignons? Si je vois des champignons, je vais poser un appât pour les faire partir. Non. On va faire le tour comme ça. Oh, champignons. Ok, on est bon. Il est où? Ok, il est là. Bon, lui, il a pas l'air d'avoir très très faim. Hein,
On a un peu de temps à nous... Bon, il va quand même nous faire chier, mais... Bon, bah du coup, on partira pas là-bas. Alors, on a un appât, je voudrais quand même le garder. Et je voudrais pas commencer déjà à tirer. On reste cool. Ah, yes, ok, il est allé de l'autre côté, très bien. Il s'est dit non, lui, lui il marche trop vite. Lui il marche trop vite, il est chiant. Et en plus il est malade. Donc non, on mangera ça, on mangera pas ça. Au revoir. Très bien. Et il nous a ressenti. Je crois qu'il est... Non, il part sur le côté, non ça va. Ok. Donc ça c'était déjà notre premier moment dans cette zone, donc c'est bien, hein, ça va, c'est bien, très très bien même. En moins de 15 secondes on est tombé sur un loup. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Je sais que... Ouh, il y a un sac, est-ce qu'on a fouillé ça? Non. Je sais que au tout début, on est passé par là. On est passé un peu vite. Charbon. Très bien. Ah. Oh putain, je crois que c'était une balle. On est passé un peu vite. Et du coup, on a sûrement loupé des choses. Ce que j'ai envie de faire, c'est de me mettre là déjà. Okay. Alors. Ok, la chaleur augmente. Bien, bien, bien. Ok, très bien. Maintenant la chaleur doit descendre. Ah non, 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 il fait toujours pas très très froid. Ok, c'est très bien. Alors, ah, excusez-moi, je me replace. Un peu la gorge enrouée, excusez-moi. On va boire. Très bien. Il va falloir qu'on prenne notre dose aussi. Ok. Ok, on est bien. Ok, il commence un peu à faire un mauvais temps. Bon, il a pas l'air de faire très froid, donc on va y aller. Ah, c'est le vent surtout, c'est le vent qui fait froid. Ok. Ouais, c'est le vent. Ok, on avance. Ah du coup on est vraiment pas allé à l'endroit où je voulais, hein. Enfin passer. Je voulais vraiment qu'on passe par la forêt en fait. Vous voyez la lisière de la forêt là, tout ça là, tout ce côté là. On commence à avoir faire du mauvais temps. Bon, tant qu'on a le vent qui nous pousse, ça va. Le pire ce serait le vent qui nous contre, ça serait un peu la merde. Peut-être un peu accélérer le pas, non? On n'a pas vraiment récupéré de champignons, juste un peu à un moment, mais c'est tout quoi. Donc voyez, si vous restez sur les rails, ça va. C'est pas... Hein ? Y a pas grand chose. En fait, faut savoir par où passer, car la glace casse. La glace sous nos pieds peut casser. Donc il faut savoir par où passer. Alors en théorie, je sais pas si vous le voyez maintenant, mais en face, il y a encore des wagons. Et plus ou moins, si vous arrivez sur les wagons, il faut faire ligne droite vers le bas. Enfin vers le bas. Vers le point cardinal de ce côté-là. Je sais pas lequel c'est. J'ai pas de boussole. Mais voilà. Et après ça, c'est facile pour trouver. Plus ou moins facile pour trouver la forge.
Ah, c'est une vieille grange abîmée. Il y a quand même quelques. Je crois qu'il y a quelques petites maisons brûlées autour ou cassées, des trucs comme ça. Ah, aussi une chose qu'on a, on a vraiment très bien faite, c'est de faire le pantalon. Parce que vous voyez qu'on a toujours une petite flèche vers le bas, c'est tout. Alors, on va peut-être pouvoir commencer à bifurquer. On va bifurquer à gauche après ça. Oui, parce que ça nous tient chaud, voilà. C'est ce que je voulais dire, ça nous tient chaud. C'est quoi ça là-bas? C'est pas un ours ça? Vous voyez la grosse masse là qui bouge? Devant, là, en plein milieu de l'écran. Peut-être un ours. Ouais, non, ça c'est un ours. Ah, c'est complètement un ours. Et ça c'est des loups. Pas un loup. I'm gonna need to eat soon. Ouais. On va devoir manger, d'accord. Tu veux pas passer sur le pied. Ouais, ça c'est un ours, ça c'est bien. Là, le loup il est. Je crois que le loup il est sur nous. Alors après il y a des bonnes méthodes aussi pour perdre. Putain mais c'est une maison ou un ours? Non mais ça bouge, c'est un ours, c'est pas une maison. Une bonne façon. Ouais ça va. Bonne façon de perdre les loups ici. Parce que les loups sont malins. Donc on peut avancer là. Et ils vont pas aller sur la glace qui casse en fait. Donc si vous savez plus ou moins les endroits qui cassent. Ah, vous pouvez les contourner, tout ça, et les loups, ils ont besoin du coup de faire un détour pour vous attraper, enfin pour aller vers vous. Et c'est possible en fait qu'ils abandonnent en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont peut-être abandonner la poursuite avant de faire tout le tour, donc c'est bien ça. Sauf s'ils sont déterminés. Alors là, je sais pas si on peut faire ligne droite, on va voir. Ça m'étonnerait. Ouais, non. Ok, on va passer par là. Non, on va pas passer par là. On va passer par là. Je vais aller à la petite maison. Vous voyez la petite maison à côté de l'arbre cassé? On va aller là, d'abord. Ok, donc là à droite, la glace va sûrement casser. On va pas y aller. Ce qui est embêtant, c'est que si je dois aller encore un peu plus sur la gauche, on a le vent qui nous pousse. On perd de la vitesse, très mauvais. Ça faut toucher, ça porte bonheur. Eric, porte-nous bonheur. Ah, starving. Voilà. Je pense qu'on est bon. Malheureusement, on peut pas rester indéfiniment ici.
Ok, très bien. Très bien. Ok, on avance. Ça aussi, c'est une technique. Vous voyez la ferme là-bas, là ? La grange. Ça aussi, c'est une bonne technique. Je l'avais déjà expliqué. Quand les loups ne peuvent pas accéder à votre position, ils vont paniquer, en fait. Ils vont paniquer et partir. Donc ça, c'est un bon moyen de... de perdre les loups. Les... Enfin, tout ce qui est agressif, en fait. Tout ce qui est agressif va paniquer. Donc, loups, ours, etc. Alors, on prend ça. This will come in handy. Par contre, on est un peu lourd, mais on y arrive bientôt. On peut toujours courir. Ok, donc là il faudrait faire ligne droite. Ligne droite dans la grange. Mais j'ai peur qu'il y ait du monde. Faut qu'on monte cette montée là, cette butte. Ancienne propriété de la famille Spence. Allez, go. Ouh, on y est. Allez, on y est. Et là, on peut dormir. Ok, alors. On est à 3 degrés. Ah, parfait. Fouf, on est bien. Il fait pas très chaud. Froid, pardon. Il fait pas très froid. Vous voyez tout le charbon qu'il y a? Donc, c'est pas difficile. Donc ce qu'on va faire, déjà on va se vider. On va très bien. Ah, il fait chaud mais en haut en fait, d'accord. Ça marche. Excuse-moi, attends. Tout jeter. On va prendre ça. Alors toutes ces caisses aussi on va pouvoir les casser parce qu'on a le marteau. Donc ça c'est bien. Là on a une note. Alors est-ce que c'est... Ah c'est un backer encore. Fix that goal in your mind. Ouais, notre but c'est de crafter. Alors. Ah, on peut même. Oh, des allumettes, très bien. On peut même crafter ici, on a un établi. On a un établi, c'est très très bien. Ça. Ok, très bien. Oh, il y a un vêtement juste là, juste à côté. Juste là. Là, très bien. Waouh, on a trouvé des antibiotiques. Mais c'est énorme. Ouais. Ouais, les antibiotiques, c'est super. Ah, casier. Je vous avais dit qu'il y avait un casier. C'est pour ça qu'on a pris... qu'on a pris le truc. Le marteau. Le pied de biche. Est-ce que... Par contre, je suis assez surpris. Pas de marteau. C'est bien une des premières fois que je vois ça. Genre, pas de marteau du tout. Oh, yes. Bien, 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 bien. Ouais, on va pouvoir bien tenir ici. Et vous avez entendu? Énormément, énormément de loups. Ah, donc... Ok. Bon, je crois qu'on a tout fait, hein, honnêtement. Je pense qu'on a tout fait. Ouais. Ouh,
Où est-ce que tu vas là, carte? Reishi, Reishi. Ok, on a du Reishi pas loin. Quoi ça? Il y a du Reishi pas loin. Alors, risque d'hypothermie, on est bon. Il faut qu'on mange. Les vêtements, ils sont un peu froids. Enfin, un peu mouillés plutôt. Alors, on a une veste de ski usée. La veste de ski est bien. La veste de ski est très bien. Par contre, c'est pas vraiment comme un coupe-vent. Vous voyez, c'est, mais la chaleur est pas mal. Je pense que complètement en bon état, je pense que ça serait 2 degrés. Donc du coup, on met ça. Voilà. Et ça, on le jette. Pour le moment, on le jette. On s'en servira comme coussin. Très bien, très bien. On a bien, bien augmenté. On a ça. On va le faire. Alors, je dirais de dormir. Avant de faire le feu, je dirais de dormir. Mais j'ai un peu peur qu'il fasse froid. On a de la nourriture. C'est bien. Ça, ça jette. On a de la nourriture. Hop. Ok, j'espère que ça passe pas à travers les planches. Non, ça... Voilà, ça c'est bon. Directement l'inventaire. On est à 30 kg. On a des allumettes, ça on les garde. On a encore du bois. Je fais un peu le... On a des antibiotiques, ça c'est très très bien. C'est 2 antibiotiques, donc là, avec ce qu'on a à la maison et les antibiotiques en plus, on est bon. On est très très bon. Donc on va prendre notre dose déjà. Voilà, très bien. 8 sur 10, c'est très très bien. Je crois qu'à chaque fois qu'on prend une médecine, ça nous fatigue en fait. Je crois que ça marche comme ça au final. Télépathie! Mais je suis assez étonné qu'on n'ait pas de, du tout de, marteau. Alors on avait du Reishi. Alors je crois que si on retient la map... Là-bas. Ah, il y a des objets là encore. Ah, attendez, pas faire de bruit. Je sais pas où il était. Alors je sais pas si ça passe la balle, j'ai envie de tester. Je sais pas si ça c'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de hitbox en fait. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de hitbox et on peut tirer, je sais pas. Il est trop loin. Il est trop loin, j'ai pas envie de tenter. Oh, wow, 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 wow. Ok, ok, le mauvais temps est passé. On est à 0. Ah, il fait un peu froid quand même. On est à 0. Plus 5 degrés, pardon. Par contre, j'ai lâché ça sans faire exprès. Plus 0. Plus 5. On va faire ça. On va le manger. On va récupérer la viande.
On va récupérer la viande. J'ai entendu des bruits. On est bon. Ok, cool. Oh, ok. Merde! J'aurais pas dû tirer. Ma faute, j'aurais pas dû tirer. Je me suis précipité. Elle avait froid. Très très con ce que je viens de faire. Mais j'avais vraiment envie qu'il parte en fait. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ça et on va dormir. J'espère qu'il va pas revenir. Enfin, pas vite. Oh, il y a un cadavre là-bas, à droite. Oh là, donc, c'est loin. Oh, boy. Oh, boy. Feels like my stomach is burning. Oh. Ok, mais bien. Ok, ça on pourra faire à manger. Hop, pardon, excuse-moi. On va faire ça. Ah, très bien. Ah putain, encore ! Attendez, parce que l'hypothermie ça va pas être drôle aussi. Tu joues au con. Ah, normalement, il devrait venir vers nous. On a aussi une étagère là qu'on peut scier. Donc c'est cool. Ça ira. On a la scie de toute façon. Même si la carcasse est gelée, on pourra la scier. Il n'y a pas de problème. Alors, résultat des courses. Il fait moins 1. C'est un peu un problème. Qu'il fasse moins 1. Je pense que là, il va pas faire très froid. Ce qu'on va faire, on va dormir. Quelques heures. C'est bon? Est-ce que je peux parler sans me faire interrompre, s'il vous plaît? Parce que là, ça devient un peu chiant. Mon dieu. Je l'avais dit, hein, ça allait être le carnage ici. Alors imagine... Alors après, alors là, on a un fusil, etc. Alors, attendez, j'ai état 2 par réparation. Chambre de critique, plus de ça. Alors le truc là, c'est qu'on a un fusil. Non, on ne devrait pas avoir de fusil. Dans mes anciennes... Alors attendez que je fasse pas de conneries. Dans mes anciennes survies, du coup, bah on esquivait les loups, hein, tout simplement. Et après, une fois qu'on faisait les, moi je faisais les pointes de flèche. Une fois que je faisais les pointes de flèche, et bah du coup, c'était plus simple parce que j'avais déjà l'arc de fée en fait. Donc après, je pouvais chasser les loups, tout simplement. Voilà, tout simplement, je chassais les loups. Donc
Donc voilà. Là, on le fait un peu à l'envers. On chasse les loups en premier, puis après... Puis après, on craft. Mais ouais, en tout cas, il va falloir qu'on... J'aurais peut-être pas dû manger tout ça, c'est pas grave. Il va falloir qu'on dorme. On va dormir d'abord quelques heures pour pas trop... Parce que je dois faire une pause déjà. Et pour pas trop tenter le temps. On va genre dormir 3 heures, un truc comme ça. Genre histoire de se réchauffer. Ah, 2 heures, 2 heures. 3 heures, 3 heures. 2 heures, 2 heures.